sommes samedi 12, je crois, septembre, octobre. Il est 9h30, donc voilà, je suis habillée, tout ça, je suis prête. Je me suis réveillée à 8h ce matin, mais hier, je me suis couchée vers 10h. Et j'ai dormi non-stop, donc du coup, ça m'a fait quand même une nuit de 10h. Et ça m'a fait énormément de bien, je me sens plus comme hier, où j'avais la barre, je me sentais oppressée dans la tête, enfin bref, c'était horrible. Donc du coup, ça m'a fait trop de bien. Donc je me réveille, je suis en joie. Voilà, donc ça c'est bien cool. Cette semaine, j'ai rarement été comme ça, donc bon, j'espère que ça va durer. Au moins tout le week-end, ce serait pas mal. Ce matin, j'ai fait une lessive, elle est déjà au sèche-linge, parce que j'ai fait un cycle court. On a un lave-vaisselle qui tourne, Alexis est en train de faire ses devoirs. Après, il va aller prendre sa douche. Donc voilà, donc on est au taquet de bon matin, c'est génial. Je fais donc. Voilà. Après, je vais pas me mettre au ménage aujourd'hui, j'ai carrément pas envie. On va partir ce midi, bah, vers midi à peu près, pour aller manger au resto et aller voir les voitures. Alors, je vais vous emmener avec moi, mais je sais pas trop ce que je vais filmer ou pas. Enfin, je verrai comment ça se présente. Après, donc, quand je vais être avec les vendeurs et les commerciaux, là, je vais pas filmer. Je vais dire, attendez, vous pouvez répéter? Je vous filme. Voilà. Donc, par contre, évidemment, j'essaierai. Alors, si je verrai. Comment je vais faire? De toute façon, au pire, je vous expliquerai ce qui s'est passé et tout. Je me suis un peu. Donc, ça fait pas mal de temps que je me documente. Hier, je me suis documenté sur Aramis Auto. J'ai trouvé Carrefour Auto. J'ai trouvé un autre concessionnaire, pas très loin chez. Pas concessionnaire, mandataire. Voilà. Les prix se tiennent à peu près, après c'est pas forcément les mêmes modèles, j'ai du mal à savoir, enfin je sais ce que je veux comme option. Il y a des options en série, il y en a d'autres qui sont pas en série, moi je sais que bon bah voilà, je veux forcément le GPS. Même si j'ai Waze, mais je sais pas, je veux bien avoir le GPS. J'aimerais bien avoir l'écran tactile là, enfin voilà. Après les bits teintés je m'en fous, les jantes je m'en fous. Si elles sont dessus, elles sont c'est dessus, hein, je peux dire bah enlevez-les moi. Mais voilà, c'est pas des critères de... pas un critère de choix pour moi, quoi. C'est ça y est pas, ça me dérange pas du tout. Enfin bref, donc voilà, ça virevolte dans ma tête parce que, alors j'en fais tout un cas, parce que c'est quand même beaucoup d'argent à sortir, mine de rien, même si j'ai 30 ou 34% de remise par les mandataires. Après, chez Renault, je vais aller voir parce que c'est les portes ouvertes et je vais quand même voir s'il y a des prix intéressants sur les Renault occasion ou quoi. Voilà, j'ai plein de trucs à voir et oui, c'est quand même une grosse somme à sortir, même si ça fait longtemps que j'y pense, longtemps que j'économise, tout ça. Et que voilà, mais... Ah, tu sais, c'est pas comme quand on sort 50€ pour acheter je sais pas quoi. Bah. Ouais, donc. Puis bon, moi je suis pas du genre à changer de voiture tous les 4 matins. Donc, eh ben, faut qu'elle. Enfin, moi ma voiture je l'ai depuis 2007. Donc ça fait quand même un bail. Et voilà, moi je compte la garder très longtemps. Hormis évidemment si malheureusement j'ai un accident ou qu'il y a une panne hauteur ou je sais pas quoi. Mais le but du jeu c'est pas de changer tous les 4 matins de voiture. Bien évidemment, c'est pas... Après, je comprends que les gens adorent ça. Mais moi, j'aime bien, hein. Enfin, j'aime bien. J'aime beaucoup conduire, moi. Et heureusement, parce que... Voilà. Bref, donc voilà. Donc, je vous emmènerai... J'essaierai de vous emmener le plus possible avec nous. Puis, si je n'arrive pas à vous emmener, bah, je vous raconterai. C'est génial. Donc, voilà. Donc, demain, comme on va chez des amis, je vous l'ai dit, c'est pas mille fois. Donc, demain, je ne filmerai pas. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de vlog lundi. Voilà. Après, il y en aura peut-être un. Ce sera la méga surprise du siècle. Et voilà. Le temps est... Cet après-midi, il ne fait pas froid, mais il fait gris, là. Il ne fait pas froid, mais il fait gris. Donc, voilà. Allez, à plus tard. Bon, je vous reprends. Il est 16h15. Alors, figurez-vous que je n'ai pas du tout filmé quand on est parti. Donc, on est allé chez Renault. On y a passé un bon moment. On est allé ensuite chez Aramis Auto. Et on est allé manger au Buffalo. Alors, là, j'aurais pu filmer, mais on était tellement pris dans les trucs. On a appelé nos parents et tout ça. On a mangé, il était 14h. On était tellement pris qu'on n'a pas vu l'heure. Moi, Alexis commence à avoir faim. Bah, moi aussi, d'ailleurs. Et on est sorti du resto à 15h. Bref, tout ça pour vous dire que ça y est, j'ai acheté ma voiture. Donc voilà, donc ça sera une capture. Je crois que la couleur, c'est gris Cassiopée. Je vous mettrai une image là. Ce sera une image internet, parce que je ne l'ai pas encore. Et je la récupère vendredi soir prochain, le 18 octobre. Donc voilà, donc, je suis super contente. Donc voilà, donc, c'est une capture 130 chevaux, une intense. La gamme intense.
La 4 roues et un volant, c'est génial. Elle est pas mal sûre, elle a pas mal d'équipements, elle a plein d'équipements, des trucs en, bon, qui sont de série, des trucs en option, enfin voilà. Donc voilà. Sachant que chez Aramis Auto, je l'ai payé donc les pourcentages varient en fonction des voitures, ça peut aller jusqu'à 34%. Moi j'ai 30% de moins que le prix catalogue Renault. Donc c'est cool. Parce qu'en fait, c'est des voitures achetées à l'étranger. Elles sont neuves, mais elles sont fabriquées dans les usines Renault. Hein. C'est une vraie Renault, enfin c'est une vraie de Rennes, mais sauf qu'elle est achetée à l'étranger. Donc voilà. Je suis encore sous le choc. Alors l'avantage, c'est que j'ai rien à faire et ils me reprennent la mienne. Ils me reprennent ma vieille toute pourrie. Donc ça, c'est cool. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vendredi, bah, j'y vais avec ma voiture actuelle et ils me la prennent et puis moi, je repars avec la nouvelle, quoi. En gros. Et j'ai rien à faire. J'ai aucun papier à remplir. Enfin, j'ai déjà signé pas mal de papiers. J'ai donné ma copie de mon permis de conduire, tout ça, évidemment. Mais de moi-même, j'ai rien à imprimer, rien à faire. Tout est fait. C'est eux qui s'occupent de tout, y compris pour la carte grise de la nouvelle voiture. C'est eux qui s'en occupent. Donc ça, c'est hyper, hyper top, quoi. Et du coup, je sais ce que je voulais dire. Oui, j'ai rien à faire à part, et en plus, j'ai même pas à aller chercher un chèque de banque à la banque. Parce que souvent, quand on achète une voiture, il nous faut un chèque de banque. Là, je peux leur faire un virement. Donc voilà, donc ça, c'est super cool. Voilà, je suis super contente, je suis un peu sous choc parce que c'est la première fois que j'aurai une voiture neuve de toute ma vie. J'ai 46 ans. Et moi, voilà, j'ai eu que des voitures d'occasion. J'ai donc cette Scénic. Avant, j'ai la Twingo, mais la première, la Twingo 1. Et voilà, qui était verte, comme beaucoup Twingo à cette époque. Et voilà. Donc, ce sera ma première voiture neuve. Oh, c'est génial. Enfin, je trouve ça trop excellent. Et comme je vous dis, moi, je suis pas du genre à changer de voiture tous les 4 matins. Donc, elle va me tenir normalement, sauf problème, mais elle va me tenir très très longtemps. Donc, je suis super contente. Donc, j'ai pris une voiture assez puissante. Même si pour les trajets que je fais, je n'ai pas besoin de voiture puissante, mais si on part en vacances avec et tout ça, et avec les différences de prix, on a regardé un peu et le plus bas moteur était un petit peu moins cher, mais voilà, on a pu le père de David, il a regardé, il a dit ouais, non, c'est un peu faiblard, c'est suffisant pour aller à Boulogne, mais pour les week-ends, pour les trucs comme ça, ça peut être un peu léger, ça peut peut-être faire consommer plus parce que tu auras tendance à appuyer pour qu'elle avance, enfin bref. Enfin bon, donc je suis parti sur une belle voiture, une 130 chevaux. Et mon but, c'est pas non plus de faire rouler comme une fada, hein. c'est pas du tout mon genre, je respecte les limitations, voilà. Mais j'ai quand même une voiture qui a du répondant pour certaines situations, pour l'autoroute, pour. Voilà. Même si je pars en vacances tous les jours, hein. Bien évidemment, ni en week-end. Donc voilà. Donc là, il va falloir que j'appelle les assurances. Alors, il faut savoir que du coup, j'aurai une immatriculation provisoire, je crois que c'est encore les WW. Parce qu'elle vient de l'étranger et qu'elle ne sera pas encore immatriculée. Donc l'immatriculation provisoire, elle est valable 4 mois. Et après, ils vont demander l'immatriculation et je retournerai chez eux, chez Aramis, et eux, ils me poseront la plaque. J'ai pas de frais en plus, hein, pour aller poser la plaque dans un garage. C'est eux qui vont me le faire. Et voilà. Donc en fait, ça a été très très vite. Une fois que la décision est prise, c'est très très vite, surtout. Voilà. Alors après, dans chez les mandataires, parfois la livraison, ça peut être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça dépend du modèle, ça dépend si on veut une autre couleur, s'il y a du stock, enfin bref. Donc voilà, donc je suis super contente. Oh la vache. Du coup, ouais, j'ai rien filmé parce que déjà j'étais hyper prise, voilà, donc j'étais prise dans le tourbillon du truc. Au resto, bon, j'aurais peut-être pu, mais voilà quoi, enfin, j'ai pas été. Je pensais à autre chose, quoi. Voilà, quoi. Donc là, il faut que j'appelle les assurances pour faire un comparatif pour assurer ma nouvelle voiture. Et puis il faut que je dise à mon assurance actuelle que je veux arrêter l'assurance de la mienne à partir de vendredi soir. Donc voilà. Je m'occupe de tout ça, de faire des virements, tout ça. Enfin bref, j'ai pas beaucoup de choses à faire en comparaison à ce que ça aurait pu être. C'est ça que je veux dire, c'est que j'ai aucun papier à remplir. Enfin, ça c'est génial, quoi. Parce que moi, tous les papiers d'administration sont super gonflants et tout. Ou même de devoir aller à la banque qui est pas à côté de chez moi, chercher un chèque de banque, appeler, dire il faut 48 heures, temps d'y aller. Enfin bref. Bref, je suis trop contente. Donc, je suis super contente. Voilà. Donc, au niveau de ma fatigue, ça va. Ça va toujours bien. Je me sens un peu pas flagada, mais. Voilà quoi. Donc, je suis super contente. Du coup, là, la fin de journée va se passer tranquillement. On va faire nos petites affaires chacun de notre côté. Puis,
puis voilà, on va être cool quoi. Voilà. Voilà, je suis quand même dans les papiers et tout ça. Je suis en train de faire des devis là, sur internet pour les assurances. Alors, le comble du comble. Quoi? Mais je filme, Alexis. Hein? Le comble du comble dans l'histoire, c'est qu'initialement, là, avec ma Scénic, je suis assurée à la Matmut. Donc, j'ai un compte, j'ai l'application Matmut avec mon mot de passe et tout ça. Soit. Donc, je me suis connectée sur l'application, tout, j'ai commencé à faire un devis pour une nouvelle voiture. Et à la fin, ils me disent... je me reconnecte et tout, ok. Et puis là, il ne reconnaît pas mon mot de passe, il faut changer mon mot de passe. Je ne sais pas ce que j'ai foutu, ça m'a gonflé, donc je demandais... attendez, je suis désolée, je vais toujours à cet endroit. Putain, allez, dans le noir, là. Et en fait, ben... Donc bref, ça a planté, et du coup... j'ai fait trop de connexions, donc je ne peux pas reconnecter avant 24 heures. Et je ne peux même pas faire de devis en ligne, puisque, enfin... Bref... Ouais, c'est vraiment n'importe quoi ce site. Enfin, j'essaye en disant que je suis pas déjà assurée à la Matmut, en fait, juste pour avoir une idée. Donc là, j'ai fait un devis chez Direct Assurance, Carrefour Auto, parce que Carrefour Auto font aussi assurance, je sais plus quoi, enfin bref. Mais ils me gonflent, Matmut, déjà ils sont chers, et en plus ils font chier avec leur site pourri. Il est très bien fait leur site et l'application aussi, mais comme j'ai merdouillé avec le mot de passe, et du coup... Donc je vais essayer de refaire la demande en faisant comme si j'étais pas chez eux, tant pis. Hein. Puis bon, le samedi, c'est vrai que c'était ouvert jusqu'à 17h. Donc voilà, enfin bref. Je vais passer un coup de balai là, parce que je sais pas trop ce qui s'est passé. Il y a plein de petits... Ça, plein de petits trucs noirs, là, je sais pas d'où ça sort. Je sais pas ce que c'est. C'est pas de l'or, c'est sûr, donc je vais le balayer. Et du coup, je pense que je vais un peu profiter pour tout balayer, comme ça... Ça fera pas de mal. Oh, David vient de tondre la pelouse là. Ça fait du bien. Ça en avait bien besoin. Surtout là-bas, c'était tout le bordel. C'était la jungle. C'est tout beau la merde. Bon bah il est en train de ranger la machine. Voilà voilà. T'as fini de tondre? Bon, il doit pas entendre, il a dû mettre ses boules. Voilà. En train de balayer la... Ah bon? Je t'ai demandé si t'avais fini de tondre. L'autre faut qu'il se gare quand je filme quoi. Ouais. Putain. Il y en a marre quoi. Il y en a marre, non? Il y a aucun respect quoi. Ah, non, mais... Bah en fait, je voulais te montrer, t'as fini de tondre donc. Je peux pas faire quoi. Bon, c'est bon, et en plus, il met trois plombs à se garer quoi. C'est mon voisin. Enfin, c'est mon copain. C'est pas trop tôt. Hmm, il est derrière là. D'ailleurs, cette haie verdoyante. Fais une salade, tour là-bas. Hum? Oui, tu vois, c'est le grand pot qu'il a fait l'autre fois, celui qu'il a pas peint, comme Denis. Denis papa. Bref. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit, les grands pots de salade? Ah oui, là. On fait des salades en pot. C'est la feuille de chêne, elle est trop bonne. Celle-là, là, ouais. On va se régaler. Surtout. Soir, on pourrait se faire ça. Oui, tiens, regarde. Elle est moins belle, je crois. Elle est énorme, ah, par si, contre. Non, mais on dirait qu'elle se fane. Non, elle est... Donc, justement, celle-là elle qui est énorme. S'étoffer, elle va faire un cœur, là. Comment ça fait un cœur? Là aussi, bah, soir, on pourra, tu pourras en cueillir une. Ouais. Soir, on va manger. Il y a du pain, en fait. Ouais. Tiens, t'as vu la maison sur la nuit? Ouais. Entre le... Voilà. La deux. Et regardez-moi cette araignée de ouf. Alors, pour celle qu'on peut... Alors, là, vous avez l'impression qu'elle... En fait, vous ne voyez pas la toile, vous. Mais la toile est là. Oh, la partie, elle a eu peur, on voit rien. J'espère qu'elle ne m'a pas sauté dessus. Voilà.
toute mignonne, hein, cette petite araignée. Magnifique, trop belle. On avait l'impression qu'elle était suspendue dans les airs. Mais en fait, il y a une grosse toile. Bon, je vais pas trop montrer parce que je sais qu'il y en a qui ont peur, donc en fait, c'est un peu ridicule. Voilà, il faut que j'arrose la plante de pégouille. Allez, je reprendrai plus tard. Bon, je me prends la tête avec les assurances. Enfin, je me prends la tête. Je fais des devis en ligne et tout parce que voilà, de toute façon, c'est fermé. C'est pas que je me prends la tête, c'est que. Je trouve ça compliqué. On m'a regardé ce soir avec David, enfin, je suis en train de débrouiller le terrain, moi je m'envoie les devis par mail et tout. C'est chiant. En fait, en plus, comme c'est une voiture neuve, bon, je peux pas quand même que je. Bon, déjà je prends une assurance tout risque. Mais pas que j'assure n'importe comment non plus. Parce que t'as sur la touriste, t'as le éco, le petit budget, enfin t'as un peu de tout et. C'est pas compliqué. C'est pas si simple parce que quels sont les critères. Enfin, c'est pour ça qu'il faut que j'appelle, parce que moi j'y connais rien. Donc il faut que je vois quels sont les critères importants, moins importants. Les franchises, les tout pour le conducteur. Enfin, si jusqu'à 250 000 euros, 400 000 euros. Enfin, tout. Bref. Je m'y perds, j'y connais rien, puis ça me gonfle. Enfin, ça, il faut que je le fasse, hein, mais ça me gonfle parce que comme je ne maîtrise pas, bah, je peux prendre au pif. Quoi. Enfin, surtout tout seul, je prends au pif. Je demande à mes parents, mais. La fille qui. Enfin, je prends une décision, mais je veux dire, voilà. Là, si je peux, j'ai l'occasion de demander à David, autant que je le fasse. Bref. Ce que je vais faire, je pense que j'ai peut-être pas mal de minutes. Alors, oui, c'est encore que du blabla, tout ça. Oui, donc dans ma voiture, il y a grave des options. Et ce matin, je me suis dit, bon, je m'en fous s'il n'y a pas les vitres teintées et tout ça, mais en fait, elles y sont, mais moi, je les vois. Enfin, c'était pas un critère de choix. Hein. Enfin, c'est à l'arrière. Et. Les jantes tout ça, bosse. Et ça, c'était pas des choix. À la base, j'en enfin, si j'avais choisi moi mes options, je les aurais pas choisies. Parce que voilà, mais c'était compris dans le prix, dans le pack machin. Oh, c'est un bout de fil, je crois que c'était une araignée, en haut. Donc bref, je suis super contente. J'ai trop hâte de la voir, j'ai hâte de vous la montrer. C'est toute la couture. Toute la couture, je vais montrer la porte. Non, je vais vous montrer globalement. L'extérieur, je prends peut-être tour. Après, j'en montrerai globalement l'intérieur, j'en montrerai le tableau de bord avec mon écran tactile. Attention, je vais tactiler dans tous les sens. Je suis grave. Je sais que bon, la plupart des gens ont déjà ça. Mais... C'est pas grave, moi je. Ça va être génial. Cela dit, sur ma Scénic, j'avais déjà plein d'options de ouf. C'est pareil, bon, j'avais acheté d'occasion, donc je n'avais pas le choix. C'était une luxe privilège, j'avais des milliards d'options qui, pour l'époque, étaient géniales. Je vais arrêter de désoler, peut-être. Une voiture, je pense que voilà, ça va être mon. Alors, quand c'est les vacances, je saoulais les vacances. Après, il y a mon déménagement de boulot, je vous ai saoulé avec ça. Je vous saoule maintenant avec la route, tous les jours. J'ai mis 35 minutes, hein, j'ai mis 30 minutes, hein, j'ai mis 30 minutes, hein, c'est génial. Je pars à 16h02 et j'arrive à 16h32. Oui, j'ai retrouvé du bois de la bête là. Et maintenant, j'ai trouvé mon nouveau truc. Je vais vous saouler avec ma nouvelle voiture. Donc là, je vais vous saouler la semaine en vous disant j'ai trop hâte, plus que 5 jours, plus que 4 jours, plus que 3 jours, plus que 2 jours, plus 1 jour, plus qu'un jour. Quand je vais la voir. Par contre, quand je vais la voir, je vais la chercher là-bas, dans la main, discuter, je vais revenir ici. J'espère que j'aurai pas un accident. J'imagine. Non, mais alors là, je pète un câble, je casse tout, je casse toutes les voitures autour. Alors, comme c'est vendredi soir, que va-t-il se passer? Selon l'heure, il va peut-être faire nuit. Je sais pas trop, je pense pas, mais il va peut-être pas faire bien clair. Donc bref, je vous la montrerai peut-être que le samedi. Enfin, je vous la montrerai quand même le vendredi. Vous avez une nuit dans ce. Bon, je me calme et j'arrête. Je vais clôturer ce vlog, hein, je crois. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos. Je vous dis, bah, je sais pas quand. Peut-être à demain, je vais essayer quand même de. Enfin, à demain. Vous voyez ce que je veux dire? À lundi. Bref. Au jour du lendemain du vlog. Bon, gros bisous.